Bonjour Billy. Joyeux Noël! La 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 la! On est déjà en décembre. Oh, donc, si le tirage ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre quart du ciel, regardez aussi mes titres, ça se peut si vous ne faisiez pas partie du collectif. Je tenais à remercier les personnes qui les font des likes, qui s'abonnent à ma chaîne et qui laissent des commentaires gentils. C'est toujours super apprécié et ça fait grandir ma chaîne. Décembre et janvier, je propose un tirage qui s'appelle la roue de l'année 2024. En tirage privé, ça dure juste 30 minutes, c'est super le fun. Fait que si vous voulez le faire, c'est dans le descriptif pour pouvoir me rejoindre. Et encore une fois, c'est un tirage général, donc pour les personnes qui veulent quelque chose de plus pointilleux, c'est dans le descriptif pour pouvoir me rejoindre. Je t'ai vu, toi. Oh! What? Expansion. Ça ressemble beaucoup au 10 de Pentacle, ça. Expansion. Transmutation. Qu'est-ce qui se passe? Freedom! On dirait que vous êtes... Encore une fois, j'essaie de garder ça le plus général possible. L'expansion, ça a changé quelque chose? C'est quoi qui a changé pour que vous soyez plus libre? C'est-tu plus de sous? C'est-tu plus... Il y a vraiment eu un changement de vie? Puis qu'est-ce que je sens dans l'expansion, à moins que ce soit du cash, là? J'ai l'impression que c'est une expansion à l'extérieur de votre vie qui fait que vous pouvez passer à autre chose et être plus libre. Par exemple, vous étiez avec quelqu'un avec qui ça marchait, ça n'a pas marché, puis que là, l'autre personne commence à agrandir sa famille, fait que vous faites comme, OK, c'est vraiment, la personne ne reviendra plus, on passe à autre chose. Ça peut être ça. Ça peut être, la compagnie continue d'agrandir, puis moi, j'ai toujours voulu travailler peut-être pas dans quelque chose d'aussi grand où on me laisse partir, tant mieux. Il y a comme un... Puis je dis pas que c'est négatif, l'expansion, mais on dirait que c'est à l'extérieur de vous. C'est comme si vous avez les conséquences sans en vivre l'expansion elle-même. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que ça change votre vie. Ah! OK, on va aller voir. Avec le tarot de Noël. La, 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 la. Les personnes qui le trouvent beau, c'est la compagnie Bastet sur... sur Etsy. Il n'y a pas de titre au tarot. Il n'y a pas de nom de tarot. Ouais, je sais, ils sont en vente en ce moment. Proche de Noël. Bref, on va commencer par... C'est quoi cette expansion? On dirait que c'est une expansion. 4 d'épée, puis l'impératrice. Impératrice, là, c'est de l'expansion. Puis 4 d'épée, c'est comme si vous êtes retiré de cette expansion-là. Mon Dieu, que c'est weird! C'est comme si l'expansion est dans votre vibe, mais c'est pas vous qui le vivez ou fait pas. Vous vivez juste les conséquences. Chevalier de Pentacle. Je pense que la transition a été un peu... Ouh, chevalier d'épée. C'est quelque chose à long terme. C'est quelque chose qu'on reviendra plus en arrière. C'est que ça a pris du temps à s'expandre ou ça prend du temps à comprendre que une fois que c'est implanté, c'est comme si ça change que ça change pas juste votre vie, mais ça change les éléments de votre vie. Mon Dieu, c'est weird. Que c'est sinon que vous avez eu un enfant avec quelqu'un, ça marchait pas, fait que finalement vous êtes libre de cette personne-là, puis vous pouvez élever l'enfant comme vous voulez, ça se peut aussi. Il y a vraiment une communication qui va être finale. Il y a une communication finale qui s'en vient. Communication qui fait comme... c'est très solitaire. Oh, c'est weird comme vibe. C'est vraiment une vibe de dire « je pourrais faire partie de si je faisais une action vers ça, mais on dirait que l'expansion... Pas que c'est quelque chose qui vous rejette, mais on dirait que d'en faire partie, ça vous garde petite. Vous pouvez pas être... L'expansion, c'est pas vous, c'est comme pas vous. Puis de vous retirer de cette situation-là, là, vous allez vivre une belle transformation, puis
une liberté. Page d'été. La lune. Oh, c'est sûr que ça crisse la chasse, là. C'est sûr. Achetez-vous des poises. 5 de coupe. Puis je pense que c'est ça. Quand vous allez y penser comme il faut, je pense que vous allez réaliser que c'était pas pour vous. De se libérer de quelque chose avec de la transformation comme ça, vous allez faire comme non. C'est comme une cage dorée. Il y a vraiment une vibe de cage dorée, de vous garder petite. Malgré que l'expansion est là, vous, c'est pas vous qui avez l'expansion. Vous faites partie de cette... C'est tellement... La vibe, là, est vraiment... Je peux comprendre le tournoi. Puis vous allez apprendre des choses de d'autres personnes. Il y a des éléments de ça. C'est comme si... Je sais pas si le plan au complet va être appris par un troisième parti, mais c'est comme si on vous garde mal informé. Quand, dans le fond, chevalier de coupe, là, on a 3 chevaliers. On vous dit des affaires. Il y a un mensonge, hein? Il y a un mensonge à quelque part. Vous allez savoir c'est quoi. Freak pas, là. Vous allez savoir c'est quoi. Mais c'est quelque chose qui... c'est comme si qu'est-ce que vous allez regretter, c'est pas la situation comme elle est, mais comme elle aurait pu être. Puis c'est ça que vous allez regretter. Les remords et les regrets, ça va pas être au niveau de « Oh mon Dieu, je veux en faire partie ». Non, ça aurait pu être ça à place. Si j'avais eu mon mot à dire, si j'avais pas été dans une cage, si on m'avait vraiment laissé m'exprimer puis m'expandre, ça aurait été autre chose. Mais que finalement, vous faites comme « Non ». Tant qu'à ça, j'aime mieux pas. Le soleil s'en vient après. Je freak pas. C'est vraiment une passe un peu... 10 de coupe. Les bonnes personnes, les bons sentiments. Page de bâton, c'est une belle leçon. Belle leçon de vie. De se retirer quand c'est pas pour nous. Même si on était... Si l'impératrice était impliquée, là. Il y avait une implication qui avait déjà été faite. Il y avait un attachement qui était fait à ce que ça aurait pu être. Mais le soleil est là. Le soleil avec la lune, là. Ça va être vraiment... Qu'est-ce qui s'en vient, c'est vraiment un tout autre vibe. On change de vibe. Quand vous allez comprendre que c'est pas pour vous, vous allez faire comme « Oh mon Dieu, c'est pas pour moi. Oh! Je suis pas pognée là-dedans. Je suis libre. » Puis je veux pas être... L'expansion, oui, de loin, ça a l'air bien. Mais quand on le regarde de proche, c'est le Titanic. C'est le Titanic. Je sais pas comment le dire. C'est comme un projet titanesque. Titanicien. ça... Puis là, je dis pas ça pour vous faire plaisir, là, mais c'est vraiment... Je pense que si vous aviez été impliqué, ça aurait... Si on vous avait laissé l'espace d'être impliqué, ça aurait été une autre... Puis c'est peut-être pour ça aussi que vous avez de la misère à faire comme... Il faut que je passe un petit peu à autre chose. Il faut que je transmute ça. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Comment ne plus le revivre? Vous avez fait confiance à quelqu'un que la prochaine fois, écoutez-vous. Faire confiance à quelqu'un, là, c'est de se faire confiance à soi et de se laisser le droit de faire comme « OK ». Mais donner toute sa confiance à quelqu'un, c'est de donner le pouvoir à quelqu'un, puis c'est peut-être ça la leçon ici. D'arrêter de donner votre pouvoir aux autres, puis de le garder pour vous, puis de faire la prochaine fois. Parce que c'est ça qui est arrivé. On dirait qu'on vous a mis à l'écart d'une situation sans vous laisser votre mot à dire ou votre droit d'action. C'est vraiment weird. Puis dans le fond, c'est une leçon, puis... C'est sûr que vous, au début, vous étiez comme « Oh my God, mais pourquoi je vis ça de même? Ouais. » C'est de reprendre son pouvoir, de dire comme « Non, prochaine fois, je me fais confiance, puis je l'écoute parce qu'à quelque part, je sais que quand vous êtes impliqué ou quand vous avez essayé de... Vous le saviez que ça n'allait pas faire partie de votre vie. » Puis là, les personnes pour qui ça ne résonne pas, vous êtes comme « Mais tabarnak, de quoi qu'elle parle? » Mais les personnes pour qui ça résonne, je sais que ça clique, là. Fait que c'est le soleil qui s'en vient, meilleure carte du tarot. 10 de coupe, satisfaction émotive, pas à peu près. C'est ça qui s'en vient. Fait qu'il faut pas capoter, puis c'est de se rendre compte c'était quoi la leçon. Page de bâton. De faire comme, OK, prochaine fois je m'écoute, tabarnak. Fait qu'on va aller voir dans le descriptif. What? On va aller voir dans l'extension. Ouais, elle a pas de filtre ce matin. Elle dit n'importe quoi. On va aller voir dans l'extension job, situation et relationnel amour. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès à ça, c'est marqué à côté de mon nom, joindre. Sinon, c'est marqué dans le descriptif pour les extensions. Sinon, on se voit en 2024.
Christ que ça a passé vite. Fait que je vous souhaite un super joyeux temps des fêtes. Faites attention à vous et faites-vous en pas. C'est vraiment que du beau qui s'en vient. C'est que du beau. Bye!